Biscuiterie Astrix, une entreprise familiale depuis 1927, créée par mon arrière-grand-père, donc je suis la quatrième génération. Nous avons une gamme d'une trentaine de produits différents qui part de la gamme de Madeleine Financier, Rocher Coco, jusque tuiles, cigarettes, palais. L'entreprise située donc à Villeparisis où nous sommes aujourd'hui, c'est à peu près une centaine de salariés. Nous fabriquons plus de 1800 tonnes de gâteaux par an, ce qui représente 3,5 millions d'unités de vente vendues chez nos clients chaque année. Nous avons un engagement fort RSE, donc avec une réduction aussi de notre empreinte carbone par une sélection de matières premières locales. Et puis l'économie d'énergie, puisque la chaleur de nos fours est recyclée pour chauffer nos bâtiments. Nous avons une réduction de consommation d'eau par des investissements de lave-ustensiles, par exemple, qui viennent réduire les consommations d'eau. Nous investissons de façon assez importante sur l'étiquetage automatique des produits, qui nous amène une meilleure qualité d'étiquetage et aussi une amélioration de nos conditions de travail et de l'amélioration de la productivité. Donc nous avons fait appel à un fournisseur important qui s'appelle la société Novex, qui aujourd'hui nous accompagne dans ce développement qui est fondamental pour pouvoir répondre aux attentes de nos clients, notamment l'augmentation de nos ventes. Donc actuellement, nous disposons de 5 étiqueteuses Novex. On travaille à la vitesse des fours en fait. On ne peut pas s'amuser à arrêter le four, c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de perdre ne serait-ce qu'une seconde au niveau de notre cadence. L'ancien matériel était beaucoup plus complexe, alors que là, niveau simplicité est dans tout, dans l'impression des étiquettes, dans la programmation des références. Les nouvelles, les Novex, c'est vraiment un jeu d'enfant. On a une particularité aussi, il faut le dire, c'est qu'on change beaucoup de format. Donc le matériel a besoin d'une grande souplesse puisqu'il faut changer régulièrement les étiquettes, les rouleaux. Et ça, c'est une force aussi de Novex, de l'appareil qui se prête bien à ce genre d'opération. Il y a quelques années, on étiquetait à la main, donc manuellement. On devait disposer d'une personne en plus. Et lorsque nous avons eu ces fameuses étiqueteuses Novex, ça nous a vraiment changé la vie, et pour beaucoup. L'investissement est toujours important, ça a un coût. Mais ce qu'il faut regarder, c'est l'efficacité derrière et le retour sur investissement. Donc là, aujourd'hui, nous sommes sur un bon retour sur investissement, puisque peu de panne machine, et c'est vrai que les opérateurs ont tout de suite apprécié la différence entre l'ancien matériel et le nouveau. Niveau manutention, ça n'a rien à voir. Beaucoup se plaignaient d'avoir des tendinites. Vraiment, c'est un produit à recommander. S'il devait y avoir une panne ou quoi que ce soit, ce serait très très problématique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on attend notre sixième étiqueteuse.